aujourd'hui pour vous expliquer comment est-ce qu'on va expédier l'analyse, comment on va expédier le nécessaire pour l'analyse. Donc normalement vous avez reçu ce kit, on vous a envoyé par mail une étiquette de transport à imprimer sur une feuille A4 et il vous faudra juste des ciseaux et un rouleau scotch. Et donc rapprochez-vous, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc le principe de cet emballage, c'est que vous allez recevoir, vous avez reçu avec les contenants à l'intérieur, vous l'envoyez dans ce même emballage au laboratoire, le laboratoire récupère la matière, l'analyse, et ensuite nous on récupère le tout une fois que c'est vide et propre pour réutiliser pour des nouveaux clients. Zéro déchet. Donc comment ça se passe? Vous ouvrez hop, à l'intérieur, faites attention, il peut arriver que ça casse avec le transport. Donc il faut vraiment être très méticuleux quand on sort la bouteille, qu'elle ne soit pas abîmée. Donc là, elle n'est pas cassée, tout va bien. Vous déroulez la bouteille, vous gardez ici bien de côté l'étiquette ci inclus qu'on vous a jointe avec. À l'intérieur de cette bouteille, avec le joint, bien attention au joint, vous allez pouvoir vider les œufs. Si c'est une analyse d'œuf, vous videz à l'intérieur les 12 œufs. Vous lui cassez les coquilles et vous les mettez dedans. Vous refermez le tout. Vous réemballez dans le papier bulle bien proprement et délicatement en serrant bien pour que ça épouse bien la bouteille. Ensuite, à l'intérieur de l'emballage, vous avez dans le fond un petit rouleau de papier bulle qui est mis. Laissez-le bien dans le fond. Glissez-y la bouteille. Hop là, la bouteille doit être bien calé dans le fond, voilà, en cas de choc, que ça ne casse pas. Ensuite, vous repositionnez le petit rouleau sur le dessus. Vous remettez d'abord la partie avec le trou ici. Vous appuyez bien pour que ça se replie bien comme ça et que ça compresse bien le tout pour que la bouteille soit bien maintenue. Vous refermez les deux bords et vous pourrez fermer la boîte. Après, avec un scotch, vous allez pouvoir refermer bien proprement ici en haut et également en latéral comme ceci. Recollez bien parce que le carton a tendance à ne pas faire adhérer le scotch comme il faut, donc on appuie bien pour que ça adhère bien. Là c'est bien fermé, vous avez à l'intérieur votre matière à analyser pour le laboratoire. L'étiquette qu'on vous a fournie, vous allez pouvoir la plier en deux, la glisser dans la pochette qu'on vous a jointe. Faites attention, ne faites pas ça. Ne glissez pas l'étiquette avec le QR code sous le document ci inclus. Faites attention à bien orienter l'étiquette comme il faut pour que le document ci inclus ne cache pas quoi que ce soit comme information de l'étiquette. Ensuite, vous allez pouvoir décoller la pochette. Et ici, on vous a mis un repère sur un des côtés. Collez l'étiquette comme ceci avec le QR code, le code barre comme ça. Et donc, vous prenez tout simplement l'étiquette comme ceci. Vous la collez. Hop là. Avant de la coller intégralement, vous décollez également la petite languette ici. Faites attention que ça ne se recolle pas sur soi-même. Là, vous allez pouvoir coller tout le tour. Et ensuite, vous allez pouvoir bien ici, bien tirer et apposer l'étiquette sur tous les côtés. L'intérêt, c'est que le code barre n'est pas plié, donc ils pourront le scanner comme ça et voir l'adresse du destinataire qui est le laboratoire. Voilà, le colis est prêt à être expédié. Faites attention au niveau du transport, ça reste quand même très très fragile, c'est du verre. Et le laboratoire va le recevoir, analyser votre échantillon et on vous donnera le résultat.